appelle ça des... C'est pas de la diffamation, mais... C'est trop mal au ventre. C'est pas la diffamation, c'est la vérité. Est-ce que Karine va croire? Karine va croire. Non, Karine, il veut bien croire, parce que... Regarde la tronche que j'ai. Mais j'ai une sale tête, les gars. Mais les gars... Attends, faire un live. Non, non, les divers, les gars, c'est me Wanda. Coucou. Les gars sont les dieux d'hiver ici, hein, mais j'ai... On a les divers. Les dieux d'hiver. Du premier. Bonne année 2021 à tous les il y a des personnes qui sont toujours au rebond là. Ah oui, toujours. Toujours au rebond. Marius, il y a encore qui bon, le reste je ne vois pas. J'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Bonne année à vous tous. Non, nous étions là. Donc à nous tous, faisons notre part. Moi, je fais ma part, Karim fait sa part. Le commandant est en chef. Fais sa part. Voilà, fais sa part. Donc, nous tous, nous faisons notre part. Même Junior fait sa part. Oui, même Junior fait sa part. Il déménage. Voilà. Vous avez vu la fin de manger la baleine. On a abattu la bête. C'est quoi, ce sont tes amis qui ont commencé? Non. Ah, bon, regardez la tronche que j'ai, franchement. Mais on s'en fout de sa tronche. Quand nous on dit nos vérités, on s'en fout de sa tronche. Non, mais on était dans les dues d'hiver. Oui. Pourtant, on n'a même pas Jean, mais les gars, si on est dues. Exactement, on n'a même pas Jean. On va à l'école. On a mis seulement de l'eau. Ah, il faut se souvenir. Ouais. Non, les gars, si nous on y a fait la piscine. Tu peux aux gens voler les punchers sur le brunier, le propriétaire arrive. Tu lui dis que tu me connais pas, je suis tel, viens à tel endroit. Si tu veux, tu les as là-bas me trouver. Tu dis, hein? Tu à toi de voir. Merde, mon frère. J'avais un voleur professionnel. Oui. Un voleur de gombo professionnel. Un voleur de gombo? Oui. C'est là. Putain, la gueule est clavée avec le comportement. Vous voyez donc la famille. Vous attendez souvent que les enfants du Mungo. Les enfants du Mungo dans les cas sociaux. La plantation Djombe là, la plantation là. Ah ouais. À Djombe, il n'achetait pas de bananes. Il mangeait pas ma chose. Il n'achetait pas de bananes, mon frère. Achetez la banane pour quoi? Même quand quelqu'un sort du village, il voyage, il s'arrête, il dit que c'est comme le sert. Aidez-moi à juger le poivre blanc. Puis tu plantes, aidez-moi à juger la situation. Si, à qui appartient le bananier? Comment parler la À qui appartient le bananier? Pardon, dites-moi, ça appartient au propriétaire de la maison ou bien au véritable propriétaire du bananier? Non, ça appartient au voisin. Récupérer les bananes là. Puisque c'est chez le voisin. Il entre comment? Il entre comment? Donc ça appartient au voisin qui a la banane chez lui. Si il coupe, on va l'arrêter. Non, puisque même si l'autre coupe, il ne peut pas avoir le régime. Ah, ça c'est éteint. Non, mais c'était un petit coucou, la famille. Mais on est parti un jour au champ, Karine. On est parti un jour. Non, non. Mais je ne sais pas, on coupe en deux, non. Ah, on peut quoi en deux. D'abord, les trucs. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mieux. On paye les appels, les sont bororo. C'est que les saints qui sont jetés. Non, c'est pas ça. Non, les enfants. Non, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Si. Non. Bororo qui va dire ça. Non. Tu vois, là, il lance pas derrière la main. Parce que chez nous, les enfants sont des rois. Ouais. Les enfants chez nous sont des rois. S'il veut têter, il tète. Même s'il va tirer ça comme le il va tirer. Si vous gardez vos cinq chez nous, c'est pour les enfants. Qu'est-ce que vous racontez là? La mère assise, elle sort, elle donne, il tire ça comme si c'était une fille de vache. Une fille de vache. Vous voyez ce que nos femmes, les femmes supportent ici dehors? Vous voyez comment nos frères sont morts de nous? C'est pour ça que les femmes doivent prendre ce combat en charge. Je le dis et je le dis. Parce que nous beaucoup souffrons. Nous souffrons beaucoup. Voilà pourquoi il attend. Ah, beaucoup l'attend. Ah non, on n'a pas eu la tort. 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 2021 doit être une année. Une année pour les femmes. Les femmes doivent s'investir. Sauf mon commandante. Voilà. J'ai cru que le gars était en train de jouer avec mon baluchon de Nyama. Tout le monde va la yama. Je voyais déjà mon poisson braisé.
Ah, je voyais déjà mon poisson braisé et pas au sol. En train de jouer, c'est vrai. Paul Biya vient d'insulter la diaspora. Il a insulté la diaspora hier. Il a insulté les Camerounais qui se lèvent au quotidien, les Camerounais qui boivent du noir. Il est important que nous mettons tous nos efforts pour que 2021 soit l'année de réussite. Et on peut y arriver. Bien sûr, on peut y arriver. Il suffit d'avoir volonté. Il suffit d'orienter le combat avec cette cible-là, c'est Paul Biya. Et hier, il a encore monté. Et uniquement Paul Biya. Donc, les pètes-pètes qu'on est en train de faire autour de Paul Biya là, il faut qu'on arrête ça pour cette nouvelle année et qu'on reste focus. C'est non, mais bien sûr. Il y a quelqu'un qui a repéré, il y a quelqu'un qui a repéré ça. Ok, si c'est ça qu'il a repéré, il y a quelqu'un, sa place, il y a quelqu'un, hey, le président Nietzsche qui a repéré. Il repère les bonnes choses, il repère les bonnes choses. Si vous me dites, si vous me donnez l'ordre, j'ouvre, je suis à la fin. Eh, hey, pardon. J'ouvre. Non. Un coup. J'ouvre. Tu veux les problèmes? Tu sais à quel moment? Le genre de dette là, le genre de dette là. Non, pas mener un millésime comme ça. Un millésime. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Un millésime devant les gens. Il n'a pas eu la tort. Il n'a pas eu la tort. Un millésime. Il y a Bibi qui va être jalouse. Heureusement que Bibi sait ça. Heureusement que Bibi sait que nous sommes les belles sœurs. Si Bibi même là voulait être jalouse, c'est que là, ça l'a prise. Depuis. Voilà, parce que la manière que ça fait souvent là. Parfois tu observes la scène, tu rentres à la maison, tu poses toutes les questions de la terre. On dit pourquoi il est appelé chérie. Mon frère, j'ai le mot déjà malin. Quand t'appelles chérie, c'est mon problème là, c'est quoi? Mon problème là, c'est quoi? On ne gère pas. On n'empêche pas les gens de parler. Chacun est libre. Nous, on aime nos frères. Hein. Si nos belles sœurs ne font pas bien leur job là-bas, nos frères vont revenir à la baraque. En tout cas, pour nous voir. Bibi, c'est une personne exceptionnelle. Mais bien sûr, notre Bibi, bisous à toi. Moi, bisous. Bisous de nous tous. Bonne année, notre Bibi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre commandante. Même comme j'ai trouvé qu'il a maigri. Il a maigri, oui, tu ne le nourris pas bien. Non, Bibi, tu ne fais pas bien ton travail. Non. Mon commandant a maigri. Je te trouve que. Voilà. On a les enfants alcooliques ici. Oh. Non, t'as maigri. J'ai maigri parce que. Trop de problèmes en fait, trop de problèmes. Il a beaucoup souffert, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert par rapport à tout ce qui se passe. Et j'aimerais vraiment prendre du poids en 2021. Il n'a pas le cœur tranquille comme on dit dans la matière. J'aimerais vraiment prendre du poids en 2021. Du coup, je profite encore, c'est vrai, nous sommes en train de rire, mais je profite encore pour appeler chacun à la retenue. Ce que Biya a dit hier est tellement grave que nous devons nous concentrer. Sur ce pourquoi nous sommes sortis, sur ce pourquoi nous sommes aujourd'hui en exil. Moi, j'ai pas besoin de rentrer au Cameroun, j'ai pas besoin d'une grâce de Biya. Tout ce que je souhaite, c'est que nous le chassons de ce pouvoir. Et nous avons les possibilités, nous avons les moyens de le faire. Chacun d'entre nous est une force brute cachée. Alors mettons toute cette force que nous avons, mettons toute cette énergie que nous avons pour le bien de ce combat. Le président Kamto a dit hier qu'il sait que beaucoup d'entre nous payent le plus fort. Si nous acceptons que nous payons ce prix fort-là, il est impératif que chacun d'entre nous dirige ses forces vers la cible. Parce que il faut qu'on soit un peu les dragons Bull Z. Vous savez, quand il dirigeait sa force vers l'impact, vers ce qu'il avait en face de lui, ça a créé un gros impact. 2021 doit véritablement être une année décisive, je le disais. Je souhaite que la force brute qui est en nous, que nous mettons cette force pour chasser Biya de ce pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de manger. Malheureusement, il y a des enfants qui sont en brousse, hélas, qui ne peuvent pas souffrir ce que nous nous offrons. Il y a des enfants qui sont en ville au Cameroun qui ne pourront jamais souffrir ce que nous nous offrons aujourd'hui. Manger une crevette pour certaines personnes au Cameroun, c'est un luxe. Pourtant, ça ne devait pas être. Beaucoup de Camerounais ont passé la fête hier sans avoir le sourire.
beaucoup de personnes sont mortes à l'hôpital, pas forcément parce que la maladie était incurable ou bien parce que X ou Y. Le plus souvent, c'est parce que il n'y a même pas les médicaments. Le plus souvent, c'est parce qu'on ne peut même pas s'acheter un seul comprimé. Alors, mes frères combattants, surtout je m'adresse à vous, soyons véritablement des combattants pour la libération du Cameroun. Parce que pendant que d'autres s'amusent, il y en a qui en pâtissent, qui prennent des coups. Il y en a qui, quand je dis prendre des coups, c'est psychologiquement, hein, parce que si chacun d'entre nous fait un peu des efforts, nous allons arriver plus vite à notre fin. Tout c'est bien beau de rire, mais le Cameroun va très mal. Alors ne regardons plus nos personnalités, allons au-delà. Une initiative, bon, nous allons soutenir cette initiative, d'où elle vient. Et 2021 aussi doit être une année où nous devons arrêter avec le vol. Il y a le bon geste. 2021 doit être une année où on doit savoir s'entourer des personnes qu'il faut. Et je profite aussi en 2021 pour dire aux gens, il n'y a jamais un bon vol. Je ne veux pas parfois m'exprimer sur certaines choses parce que ce n'est pas l'essentiel. Il n'y a pas de bon vol. Un vol, c'est un vol. Que ce soit parce que tu voulais nourrir ton enfant, que ce soit parce que tu voulais faire quoi que ce soit, un vol, ça reste un vol. Le hold-up électoral qu'a subi le président Kamto, c'est ce hold-up-là qui a réuni des milliers de Camerounais. C'est à cause de ce hold-up que des milliers de Camerounais aujourd'hui ne peuvent plus rentrer chez eux au Cameroun. Et faire un hold-up, de quelque manière que ce soit, je la condamne. Je n'ai pas besoin de crier sur tous les toits pour le dire. Je l'ai dit à ceux que je pouvais le dire et j'en profite aujourd'hui pour le dire en direct. Je condamne ce hold-up. Je ne soutiens ni l'un ni l'autre, mais je condamne la façon dont certaines choses ont été faites. Je pense qu'on peut mieux faire et on doit mieux faire. Mais prendre quelque chose et dire qu'on a pris et qu'on s'enorgueillit, alors je pense qu'on n'est pas différent de Biya. Soyons différents de Biya, faisons exactement ce qu'il y a à faire. Le président Kamto, les Camerounais de tous bords ont besoin de nous. Bonne et heureuse année. Et n'oublions surtout pas pourquoi nous sommes dehors. Nous sommes dehors pour changer le Cameroun. Nous sommes dehors pour faire partie de Biya. C'était mon petit mot. Et nous restons concentrés. Fils du planteur. Je suis dans mon couloir. Il est dans son couloir. Il aime bien les coins. Je suis dans mon coin. Chasseur de rats. Espère. Espère en coup tordu. Petit fils de Jacoba. Carrément. Ouais. Salam alaikum la famille, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent, de près ou de loin, aux sympathisants de la lutte camerounaise ou à tous ceux qui aiment le Cameroun et les amis du Cameroun. Bonsoir au peuple français qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas pu vraiment fêter comme d'habitude parce que le Covid oblige. Bonsoir à toutes les personnes qui vivent à l'étranger, en Occident et aux États-Unis d'Amérique particulièrement, qui n'ont pas écouté le discours du président de leur pays parce qu'ils devaient se pencher vers le discours du président élu Maurice Kamto pour des raisons personnelles. Donc, comment je vais dire ça? Parce que la terre patrie, la terre qui nous a vu naître. Je voudrais par cette occasion, par le canal de la vidéo de Karine Richaud, celle que vous connaissez déjà, la présentatrice de la matinale qu'on ne présente plus, celle qui sait mieux faire que ce qu'on doit faire. Alors, vous exprimez mon expression le plus profond. Dans le combat que nous menons depuis 2 ans et demi déjà, mes frères Camerounais, une lutte révolutionnaire est une résistance. Et la résistance a pour côté néfaste. Elle bouffe les enfants qu'elle a fait naître. C'est ça le côté néfaste de la résistance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais que nous nous penchions sur le côté prospère, universel ou aimable de la lutte. Parce que la lutte révolutionnaire est une lutte qui engage plus ou moins plusieurs personnes. D'une manière directe ou indirecte, les acteurs principaux et les acteurs indirects qui
d'une façon ou autre, se retrouvent au cœur de cette lutte. Pourtant, parfois, ils n'ont pas voulu s'y retrouver. Le régime de Paul Biya se retrouvait aujourd'hui dans le centre, dans la réincarnation du pouvoir hitlérien de 1933, avec un ministre de la communication, on dirait Joseph Goebbels, avec des généraux qui ressemblent au général Rommel, ceux-là qui sont prêts à tuer pour le plaisir de tuer. Alors, c'est Émile Bankui qui est l'incarnation du diable sur la terre après le crucifix de Jésus et qui dit qu'il est prêt à éliminer tous ceux qui veulent éliminer Paul Biya. En réalité, de quel Paul Biya est-ce qu'il est question? Est-ce que le Camerounais lambda avait éliminé Paul Biya, né de Assam Étienne et de Eyenga? Non, le Camerounais avait éliminé Paul Biya, ce que les Sardinats qualifient d'institution. Et président, c'est ce malhonnête voleur viagre roupillant que nous voulons éliminer. Parce que celui-là a volé, détourné, trompé, trahi la jeunesse camerounaise depuis 38 ans aujourd'hui. Et personne n'a jamais dit mot. Si aujourd'hui nous nous réveillons et que nous décidons de prendre notre destin en main et de mettre le Cameroun sur les rails afin que la démocratie, la liberté, la transparence, la cohérence, l'existence incarne l'existentialisme du peuple camerounais et de la société civile camerounaise. Je pense que cela n'est pas mal. Parce que ce monsieur n'est qu'un rouba coupia vieillard, un dramataire qui n'a pas peur de voler. Puisque chez nous, il y a l'adage qui dit « Quand un vieillard vole, c'est mauvais. Quand un vieillard tue les jeunes, il faut que les jeunes s'organisent pour tuer ce vieux. » Et je pense que nous devons nous organiser pour tuer ce vieux, afin qu'il ne tue plus les jeunes. Monsieur Biya, une fois de plus, a volé. C'est un mec qui n'a pas peur de la guerre fratricide qui engloutit de nombreux Camerounais dans le sud-ouest du Cameroun, qui entretient une guerre fratricide et continue d'insister dans la négativité et de pointiller toujours avec insistance dans ce qui est mauvais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Paul Biya n'a pas le titre foncier du territoire camerounais. Encore moins ses petits copains. Au même titre qu'il est Camerounais, moi je suis Camerounais. Au même titre qu'il est président, moi aussi je suis président du Cameroun. Où je me trouve et qu'il faut un Camerounais pour représenter le Cameroun. S'il y a un document, je vais signer en tant que Camerounais. Et je pense que ce document sera valable parce que je suis Camerounais. J'ai une pièce d'identité et un passeport camerounais. Je suis né au Cameroun. Même si vous me retirez ma nationalité, ma camerounité va rester. Donc, je suis camerounais. Et M. Biya doit lui mettre cela dans la cervelle. Nous avons vu un discours hier. Naze, qui n'avait pas de forme ni de fond. Un discours sans contenu d'un président de la République, soi-disant, entre guillemets, qui vient faire là, en quelque sorte, son programme politique pour nous envoyer dans la transparence et des budgétisations qui vont jusqu'en 2030 et de programmer son émergence en 2035, alors que les 1,5 milliard de boissons d'alcool qu'il a bu l'année passée ont permis de défrayer une avalanche, je veux dire un torrent de rigoles qui l'ont arraché les dents à la bouche. De quel Paul Biya on nous parle? De quel fond la jeunesse va s'inspirer pour évoluer? De quel président aussi roublard, bandit, méchant et criminel le peuple peut prendre de lui un modèle? De quel Paul Biya est-ce qu'il est question aujourd'hui? Est-ce celui-là, autant en 1933 s'il y avait le préservatif? Je pense que M. Assam Vandor devait nous épargner d'une bêtise comme ça, un soir après avoir pris le tonton, que Mme Eyenga a conçu une merde qui emmerde tout un pays aujourd'hui. Je pense que s'il y avait le préservatif en cette époque, nous n'en serons plus là aujourd'hui. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Ce petit colon, un colon à la peau noire qui sait les intérêts de l'Occidental, aujourd'hui se dit être celui-là qu'il faut à tout prix expatrier, nous autres, les défenseurs de la liberté, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de la légitimité dans un peuple accepté par les Camerounais, les défenseurs du territoire camerounais, les défenseurs
de la jeunesse camerounaise qu'il faut qu'on nous rapatrie, qu'on nous envoie au Cameroun. Pour quelle raison? Si nous voulons venir au Cameroun, nous allons venir. Parce que aujourd'hui, que vous, monsieur Bia, tu nous demandes de nous faire rapatrier. Le jour qu'on sortait, on ne t'avait jamais pris le visa. Quand on quittait le Cameroun, Paul n'a jamais revu le visa à un Camerounais. Et je dis ceci, j'insiste. C'est la misère et la méchanceté politique qu'incarne le régime RDPC et ses affiliés qui ont conduit la majorité de la jeunesse camerounaise à sortir du Cameroun. Sinon, comment comprendre que quelqu'un cherche à traiter les causes sans jamais s'intéresser aux effets? Les effets qui expulsent, je voulais dire, les Camerounais du Cameroun, c'est la malgouvernance, la malgérance et une politique géantocrate dans la dictature profonde et narcissique que M. Bia incarne. C'est ça qui fait partie de la jeunesse. Cette jeunesse dont vous avez besoin. Je ne sais pour quelle raison vous avez besoin qu'on vous rapatrie cette jeunesse. Est-ce que c'est pour travailler avec les tracteurs que vous avez semés à Ebelova? J'aimerais savoir s'ils ont germé jusqu'à on peut les récolter déjà. Si c'est le cas, oui, la jeunesse camerounaise qui se trouve en diaspora, on va rentrer. De quelle jeunesse vous parlez? Est-ce cette jeunesse intellectuelle que vous dites qui peuvent apporter leurs pierres à l'édifice du Cameroun? Je pense que beaucoup de Camerounais aimeraient bien apporter leurs pierres. Mais dans un tel système où la corruption est là de régner, où là de la guerre est le système de la secte ou de la franc-maçonnerie que vous incarnez, je pense que la jeunesse camerounaise à l'étranger est libre de penser, libre d'agir et libre de conscience parce qu'elle n'est pas conditionnée. Monsieur Bia, le Cameroun se développera le jour que vous quitterez, vous quitterez le pouvoir. Le Camerounais lambda, le Camerounais qui est né hier, connaît que Bia est un caillou dans sa chaussure. Parce que l'embêtant cherchait le caillou, mais en réalité le caillou était un caillou qu'il ne savait pas. C'est Monsieur Bia qui est le caillou dans la chaussure du Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui croupit sous des accidents avec des personnes qui viennent défendre le diable. Et ça, c'est quelque chose d'infaisable. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi certaines personnes ont l'art de tronquer la vérité pour se faire voir. Hier, j'ai suivi un certain Boutouzé. S'exciter, on dirait une femme à l'âge de la puberté. S'exciter, on dirait un mec qui a découvert la femme pour la première fois. Juste parce qu'on lui a dit que Monsieur Boutouzé, ton soi-disant patron s'est comporté toujours en homme de guerre. Sauf que cette guerre, je vous le dis, et je m'adresse ici à l'armée camerounaise, ces jeunes qui s'en vont mourir bêtement, lâchement, pour des raisons dont ils ignorent personnellement. Je me pose beaucoup de questions. Monsieur Bia, s'il était aussi un président, aussi présidentiel qu'il soit, il devait envoyer au moins l'un de ses fils faire l'armée. Je tiens à vous rappeler, la reine d'Angleterre a fait son dernier parachute à l'âge de 92 ans. Elle a sauté en avion, en parachute. 92 ans, elle a sauté en parachute. Mais Paul Bia, a-t-il déjà rendu honneur aux soldats tués au front? A-t-il déjà rendu honneur à ses compagnons décédés parce que sa politique criminogène, sa sœur, il s'est présenté. Il faut comprendre. Est-ce qu'il a fait son service militaire? Cet individualiste que M. Bia incarne, cela veut dire simplement que M. Bia vous regarde comme quelque chose qui n'apparente qu'à un jouet. Vous ressemblez aux billes dans un carreau qui vous fait sortir les uns après les autres. Je vous remercie. Bonne année et restons concentrés. Pour moi, mais mange. On mange, sauf que oh, on enjoy. Ma Suzette, ma grappe Suzette est en train de me gaver. C'est le feu, c'est le feu seulement ici. Oui, je... Le 1er janvier, là, oui. C'est sous le signe de la nourriture. Bonne année encore. Mais non, la famille. On enjoy c'est, ensemble. C'est symbolique aujourd'hui de me retrouver là. Non. Voilà, c'est moi qui ai invité notre maman. La famille maman. Combattante, un 1er janvier, c'est de bon augure. Voilà, j'ai invité notre maman combattante pour le 1er janvier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément au sein de ce combat qui en fait trop. Qui en fait trop, et voilà. Et je voulais un peu lui accorder un instant.
un instant de bonheur. Oh là là. Et j'espère qu'elle a eu du bonheur. Ah oui, là, est-ce que tu as eu du bonheur? Ah bah, à mourir. Est-ce que tu as eu du bonheur? Amour, amour, amour. Paul Biya, mon maman. Paul Biya, t'as parti. Oui. Aujourd'hui, ma maman, bonne zone. On est. Zéro. Vous deviez comprendre que ce discours a été enregistré bien avant. Et il y avait c'est regrettable. Parce qu'un président de la République, maman, une catastrophe pareille qui n'en parle pas et que les Camerounais continuent à croiser les doigts, regardez. Maman. Vous vous enfoncer sans vaseline. Maman. Ça, et depuis. L'affaire, elle m'a dépassé. Mais je vais te dire, Paul Biya, on ne va rapatrier personne. Personne. Des années que tu demandes ça, tu n'auras jamais quelqu'un qui va être. Tu vas mourir sans les voix. Et cette fois-ci. La basse, ce n'est pas le bébé, 2021 si. A go show you pepe. Yes. Oui, go show you pepe. Et de toute façon, hier à minuit s'est tenue une réunion d'urgence de la basse. Aïe, 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 en exclusivité, on vous dévoile. On va te plier. Tu vas rester au Cameroun. Comme pour la deuxième fois. La dame que tu as perdue, on ne va jamais la remplacer. Tu vas rester au Cameroun. Ma pilon, c'était l'échantillon. Ma pilon a fait l'échantillon du pilonnage. Paul Biya, le tout ça. On va piler Paul Biya. Nous allons courir dans la diaspora, Biya. Oui. On va courir dans la diaspora. Ça, sois-en sûr. Tu vas envoyer tes sbires. Tu vas envoyer tout ce que tu veux. Paul Biya a un démon. Paul Biya a un bras droit. Le bras droit satanique de Paul Biya s'appelle Grégoire Ona. Ce monsieur avait les doigts coupés. On dirait Satan a mangé l'eau chaude. Le maillot chaud. On a mis ta main. Ce Grégoire Ona, ce monsieur avait un doigt. Avait les doigts coupés. C'est Grégoire Ona. Ça, c'est un homme. Je vous dis et je vous réitère. C'est Grégoire Ona. C'est Grégoire Ona. Soi-disant ministre du travail. Dites à tes sbires de ne plus contacter les gens. Moi, je vous dis ça en direct sur Facebook. Dites à Grégoire Ona. Quand le fils du planteur lui dit de dire à ses sbires de ne plus contacter les gens. Ce mec avait les doigts coupés comme quelqu'un qui fait le repas du diable. Non, c'est l'incarnation du mal. Attends. Il faut d'abord. Mais sans gagne, Namdine. Il faut que je fasse le sport. Je te demande d'abord, je commence à pomper. Voilà. Mais sans gagne, Namdine, je me prépare parce qu'on va faire le combat du siècle. J'ai oublié en 2021. Mais sans gagne, Namdine. Non, on va bander les yeux. Il faut que ce soit un combat à la loyale. Parce que, ah ouais, on a ce qu'on est high, on a des comme tu ne vois pas bien là, non. Il faut que je bande les yeux. Oui, je suis prêt pour le combat, mes sangam. Bon, quand tu veux, place de la République à guichet fermé, 20 000 personnes. Je suis prêt, mes sangam, Yamdi. C'est 2021. Il va te voir comment? Il ne voit pas. Non, on va bander. Je bande mes yeux, il bande ses yeux. Si on va faire le parapala comme ça, je suis déjà prêt. Bon, mes frères, 2021, là, nous allons tous monter au ring. Si vous êtes sauvage, on va devenir sauvage. Oui. Si vous êtes doux, on va être doux. C'est-à-dire que mon commandant ne sera pas seul. Hein. Ah non. Messanga. Messanga, c'est moi. Amène tout le reste. Non, Messanga Yamdi, c'est moi. C'est Messanga Yamdi là. 2021. C'est Messanga Yamdi là. Ce qu'il a parlé la dernière fois, c'est parce que toi, tu as refusé. J'avais programmé déjà à Paris et lui rouge de Messanga Yamdi. Je savais où on devait le trouver. Il dit Calibri, viens même pas. Il dit que non, le gars est aveugle. Il est aveugle, il t'a vu à Paris. Tu as dit qu'il est aveugle, non, il t'a répondu non. Et je vous juge, il a programmé tout. Hein. Tout. Je savais où prendre Messanga Yamdi. Il dit que non, Messanga Yamdi est aveugle. Il est aveugle. Toi, tu voulais. Les bordels qui viennent chercher ici à Paris, c'est toi qui les montres. Toi, tu voulais. C'est toi qui l'amène à Pigalle. C'est toi qui l'amène à Châtelet. Non, donc Messanga Yamdi n'est pas aveugle. Quand il dit qu'il a vu, qu'il voit les films porno, c'est toi qui lui montres ça. C'est toi qui lui montres la télécommande. Non, en tout cas, Messanga Yamdi, avant d'arriver ici, tu dis que tu es chef. Moi, je suis un prince. Je fais partie de la chefferie, des grandes chefferies même. Pas vos chefferies qu'on donne là, chez nous on fait le lac, pas la blague, vos histoires là. Voilà. Déjà, je suis prince.
Je suis le fils, donc je suis le roi. Même si mon nom c'est incarné, roi. Donc, c'est pas donné. Fils du... Faites beaucoup attention. Fils Namdi, viens nous trouver. Il faut dire que tu voulais verser de l'huile et de la farine sur Messanga Nyamdi, chez lui. Moi, je voulais l'attacher comme le bobolo. Je voulais l'attacher comme le bobolo. Toi, tu voulais lui verser l'huile et la farine. Nasso. J'ai dit non, il est aveugle, il faut l'attacher comme le bobolo. Oui, oui. Ben, cette fois-ci-là, comme tu m'as montré que tu n'es pas... Conny Aïe, on va seulement se gérer, toi et moi, une place sur un ring bien préparé. Parce que 2021, là, je ne vous fais pas le cadeau. Ça, je vous jure. Je ne vous fais pas le cadeau. Non cadeau. Quand je dis jure, je parle de la basse. Oui, oui, oui. Ne vous fera aucun cadeau. Oui, 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 oui. Nous sommes prêts. Très, ah, prêts. Oui. Très, Ria, prêts. Si tu attends, Andy, si vous attendez qu'on va rapatrier quelqu'un, vous vous foutez le doigt dans l'œil, vous allez devenir borne ou aveugle. On ne rapatriera personne. Et nous allons courir dans la diaspora. Vous pouvez embaucher qui vous voulez. Ah, 2021, si. Bien. Le combat là va prendre une autre dimension. Ah oui, oui. Ce combat dimension prendra au-dessus. Une autre dimension. Oui, oui, c'est en de ça cas, qu'il s'agit. Soyez connectés dans quelques jours. La brigade anti-sardinat va se déployer dans quelques jours là. Juste pour un message, hein, ce ne serait pas pour... Mais les opérations, il y en a plein les cartons. Le conseil de guerre s'est tenu hier et nous sommes prêts à monter au ring. Si, voilà. Si tu penses un seul instant que tu es le roi du Cameroun, nous allons te montrer. Qu'on est le, on, nous sommes les rois de la diaspora. L'extraterritorialité. La diaspora, là, c'est pour nous. Oh, ah. Voilà. Mon petit sport pour on, non, non, on a fini avec lui. Hein. On a fini avec lui. On a passé voilà, j'ai pris un peu les commandes un instant parce que notre maman Karine était un peu occupée. C'est juste pour vous dire que... Voilà. Hey, on voulait faire passer les messages. Merci on espère que les messages sont passés. Bonne année, la famille. 2021, ça 2021, sera. C'est comme le mandat de Paul. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez-moi, mes frères. Nous aurions fêté 2021 avec notre frère Molo. Malheureusement, il n'est pas là. Dieu a appelé Molo auprès de lui et je profite encore de cette occasion qu'il m'a donnée d'adresser mes condoléances à la famille de Molo, à sa maman, maman Monique. La vie, elle est tellement courte, elle est pleine de surprises. J'étais avec Molo et je ne savais pas que Molo, c'était un membre de ma famille. C'est au deuil de Molo que j'ai su que Molo était un membre de ma famille. J'ai perdu un brigadier de haut vol. J'ai perdu un compagnon et j'ai aussi perdu un frère. Molo, 2021, ce serait une année pour toi. Nous allons nous battre pour que tu sois fier de nous. Sache que tu es à jamais gravé dans le cœur de tous les combattants de la brigade anti-sardinat. Et nous allons tout faire pour qu'un jour, les Camerounais sachent exactement qui tu es, ce que tu as fait dans ce combat. Parce que beaucoup ont vu des choses, mais ils ne savent pas que derrière ces choses-là se cachait un homme comme toi. Que ton âme repose en paix et que l'âme de tous nos frères, ceux qui sont décédés dans les catastrophes routières, que ce soit à l'hôpital, que c'est ces gens-là qui reposent tous en paix. La brigade anti-sardinat est en deuil, mais la brigade anti-sardinat est debout. Et pour Molo, nous devons aller très loin dans ce combat. 2021 doit être pour nous une année décisive. Et elle ne sera décisive que si nous acceptons, si nous voulons exactement qu'elle soit décisive. À vous qui nous suivez, je vous demande de faire aussi le bon choix. C'est à vous aussi de ne pas vous disperser. Si on veut sauver le Cameroun, si on veut se battre pour le Cameroun, alors choisissez ceux qui veulent véritablement se battre pour le Cameroun. Pour moi, la révolution, je l'ai dit, est une machine très cruelle. La révolution
Le train de la révolution ne s'arrête jamais. Le train de la révolution, quand elle est en route, quand elle est en rail, ne s'arrête qu'à la gare. Soyez dans ce train et soyez véritablement dans ce train. Ne suivez jamais Calibri parce que vous aimez Calibri. Ce ne serait pas faire honneur à ce combat. Ne suivez pas Max parce que vous aimez Max. Ne suivez pas Karine Leschaud parce que vous l'aimez. Ne suivez pas Fils du Planteur parce que vous l'aimez. Non. Si Fils du Planteur, quoi que vous l'aimez, déraille de ce combat, je vous demande d'arrêter de le suivre. Si Calibri, quoi que vous l'aimez, déraille, ne suit pas la logique de ce combat, je vous demande de ne plus me suivre. Suivez le combat que nous menons, que vous estimez juste. Si tel n'est pas le cas, alors sanctionnez. Et c'est comme ça que nous allons progresser. Si on continue encore dans les petites guéguerres, si on continue dans les petites insultes, les petites invectives, et que vous, parce que beaucoup le font parce qu'ils ont vous, parce que vous regardez, faisons de 2021 une année clean, une année où nous allons nous concentrer sur le monstre qui est en face de nous, Paul Biya. Et c'est ça notre combat. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne année encore une fois. Bonne année à tout le monde. Wow. Merci. Voilà. Bon, mais c'était le commandant, c'était le message de notre commandant en chef. Je pense que c'est passé. Bon, je vais dire à mes frères camerounais, à tous mes frères camerounais, je vais vous dire une chose. Ce que je vais vous dire, c'est que ce combat est noble, digne et élégant. Sauf que c'est quand la saison sèche finit que l'arbre connaît les feuilles qui nous sont restées fidèles. Donc à vous de comprendre. C'est quand le combat va finir que le Cameroun va connaître les Camerounais qui lui sont restés fidèles. Merci, j'ai fini. C'est de ça qu'il est question. Donc, famille, c'est la maman de la matinale. C'est toi qui conclue, non? C'est en direct. Des gens là-bas. Les voisins vont nous expulser. On s'en fout des voisins. On enjoye un tour. Hey, le manga un peu de ça, vous savez, non? Mon calibré a tout dit. Bonne année encore la famille. Mon commandant a tout dit. Fils du Planteur a tout dit. Moi j'étais ce vin là pour capter le moment présent, hein, la famille. Paul Biya, Wanamba. Bana Wanamba. Ton pied, mon pied. Wanamba. Hey. Bonan Yongo. Ah yeah, hey. On ne dit pas de gros mots. Mon fils. Zamana Balogman, celui-là, tu dis qu'on ne dit pas de gros mots. Il aime les Camerounais. Non, moi je confirme. Zamana Balogman. Alors, mon père m'a appris qu'à l'instant qui te respecte. Ah, souhait to God. Tu vois, ma porte bien fait, même j'ai oublié là où ouvre la porte. Si on ne fuit pas, on va sortir d'ici. On va nous expulser de l'immeuble. Mes fils sont tellement fâchés. Ah, souhait to God. Mes fils sont fâchés, donc du coup, moi-même, je sors la vie. Parce que bientôt là, on va me foutre dehors. Bon, c'est pas drôle, hein, c'est pas rigolo, comme disait une de mes filles quand elle était plus jeune. Voilà, c'était une capture des moments de détente parce que
Ben lui, à partir de demain, là, le combat. Hein? Le combat, c'est reparti, hein. Ah ben bien sûr. Non, combat, comme tu te moques de nous, là, on va pas donner le lait. Tu veux qu'on expulse ceux qui n'ont. Moi, en ce qui me concerne, c'est l'extradition. Et puis, bah, du coup, bah, les Français vont devoir expliquer à leur fils pourquoi est-ce qu'on extradit leur mère. Et donc, du coup, le gars, il faut quand même avoir les raisons pour faire une extradition, hein, ou bien pour faire un rapatriement. Dans un pays en guerre. Même un rapatriement, c'est pas. On ne se lève pas comme ça, on se met à rapatrier les enfants du bon Dieu. Hein. Donc, comme Pomba a décidé de se moquer de nous, non, on va sauf que courir. On va sauf que courir, la famille. Oui, c'est comme ça. Donc, souvent, les gens disent tous les jours que vous avez demandé à d'acheter les armes. Je vous dis que s'il y a un bazar. Mais, au Cameroun, non, on prend les armes, non. Il y a quoi, non? Pomba a déjà pris les armes. Hein? Quand vous dites tous les Camerounais, il a pris les armes. Vous faites là comme si vous avez pris le Pompé. Attendez, quand ça commence, boum. Dans le nozo, c'est le Pompé qu'on a pris. Moi, je n'ai même pas besoin de me rapatrier parce que je vais rentrer. Je vous rappelle que je suis venu. Ah non, laissez-nous les grands mots là. Donc pour rentrer à pied là, ça me coûte pas cher. Je suis venu à pied. Ceux qui connaissent, il y a le trajet en plus. Ça veut dire, ils croient que la lutte. Non, Pomba, il faut arrêter avec le désordre. Toi, on t'a estradé. Est-ce qu'on l'a rapatrié ou estradé même ce petit con? Non, on l'a rapatrié. Mais on l'a pas estradé. Pomba, on l'a rapatrié. Pomba. On l'a estradé. Non, on l'a rapatrié. On l'a estradé. Qui ça? Pomba. Non, de Suisse, on l'a rapatrié. Non, de Suisse, on l'a rapatrié. Oui, oh non, ça veut dire que ouais. C'est aussi facile que ça de rapatrier un président. Mais par contre, c'est moins facile de rapatrier un citoyen lambda. Ah, c'est comme ça. Bah oui. Ah donc Pomba, ceux qui sautent là dans le nozo là, c'est pas le Pompé, hein. Ah, c'est toi qui as été le first à prendre les armes. Non, c'est une autre partie des Camerounais disent aussi qu'eux, ils veulent prendre les armes, mon gars. C'est parce que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, on va équilibrer les choses. Moi, ma soeur du nozo, elle m'a pas dit que c'est le Pompé qui pète là-bas tous les jours. Non, c'est le pruneau, le vrai, celui qui pèse la peau. Regarde. Tu as vu, les enfants de Koumba sont morts, tu as vu Paul Biya. Paul Biya n'a même pas parlé de ça dans son discours. Tu as vu Paul Biya. Hey, l'équilibre de la terreur. Chacun a tes son corps, non, la main. Pomba. Si je suis mon père, je suis ta main. Les deux se marient, on devient les beaux frères. Tu as fait un discours de fin d'année. Sans parler des enfants de Koumba. Non, elle a parlé de la sans famille. Parler des morts hier là, Andiki de Meki. Maman. Et tu as vu, je ne sais pas si mes soeurs ont vu que les présidents de région, là, il y a zéro femme. Hein. Continue à dormir là. Il a parlé de tous ceux qui sont tombés en France. Ben oui, de tous ceux qui sont tombés. Non, même de ton armée là, tu n'as même pas fait un petit clin d'œil comme ça. Même forcé. Hein? Ton œil aussi ne bouge pas, c'est même ça? Les militaires qui ont été assassinés il y a trois jours. Au Mali. Jours, non, pas au Mali. Au Mali, il en a parlé. Il y a des gendarmes qui ont été assassinés. Ils allaient sauver une femme. Il en a parlé. Ah non, les Camerounais, vous n'existez pas pour Pomba. Le Cameroun, ils n'en parlent pas. Vous n'existez pas pour Pomba, c'est comme ça. Donc, si vous voulez continuer à mourir comme des chiens, vous allez finir comme l'engrais. Cadeau, hein? L'engrais du sous-sol, là. Hein, à nourrir les asticots. Ah ben, nous autres, là, on ne veut pas mourir bio, hein? Non. Nous, on attend même qu'on nous rapatrie, donc. Qu'on entame ça ici en Bengue, on va voir. On va sauf que game ici. Oh, et puis nous, on a y'a les Mouna. Hein. Ici, nos Mouna ne donnent pas le lait. Donc, on va venir tcha la matière pour dire qu'on estradit. On estradit. Là. Le Mouna va dire que Macron m'explique un peu la chose. Ah, bah oui. Non. J'entends même d'autres disent que. On ne marche pas sur la tête ici. Donc, le combat continue, la famille. C'était un petit moment pour vous montrer que ici là, le combat là, nous sommes comme les deux doigts de la main. Oui, faut pas voir les petits cons là faire du bruit, non, mais ceux qui sont dans le combat, ouais, voilà. Allez, la famille, j'ai mon petit train à prendre parce que je rentre en bois. Pour ceux qui sont toujours dans les alcools là, dessoulez vite, hein, parce que le train va zzz, 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 jusqu'à la gare. Pas comme toi, dit que chacun doit faire sa part. Chacun joue à sa partition. Donc tu ne peux pas venir dire que la mienne est mal jouée quand toi tu ne joues pas la tienne. On est d'accord? Allez. Mais où est la matière? Non, elle arrive. Donc allez, bisous la famille. Oui? C'est clair. Voilà, c'est clair. Chacun joue à sa partition. Voilà. Et personne ne dit à l'autre comment jouer à sa partition. C'est toi qui as eu à l'écrire, non? Allez. Allez,
l'année là va sauf que se passer, ça c'est sûr. Maintenant, bonne ou mauvaise, ça chacun est déterminé. Hein. Moi, cette année, je la souhaite bonne à personne. Même pas à moi-même. Et puis, je ne suis pas d'humeur, tout simplement. Bien le bonjour à Ahmed. Bien le bonjour. C'est la liberté, c'est du Cameroun qui s'agit, rien que du Cameroun. Le reste, là, n'est que pète-pète. Il s'agit du 237. Allez. Ciao, ciao. Je dois courir après mon train. Qui a la place? Ah, oui, ça c'était la chanson. Oui, oui, comment on appelle la Rodia? Nyatale. Ah, maman, ah, Nyatale. 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 Maman, maman, là. Oh. Les voisins vont nous chasser. Partout nous allons passer. Show you pepe. Pepe, mais quand tu descends, je te laisse devant. Merci à toi, merci à toi, merci à toi. Mon, et je viens de passer à Mamie Tumba. Il faut pas qu'il parte dans le sachet là. Hein? Oh, le ndolo de ça. Yes, yes, yes. Ah là 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 là. Le goût de la famille. Hein, pas les pète-pète, hein. Le goût de la famille, ça dose seulement. Je rentre comme ça, je suis reboosté. Hein, mon séjour. Ah, je peux mettre ça derrière, s'il vous plaît. Mon séjour. Zut. Sincèrement, mon séjour là, hors de chez moi, m'a fait du bien. Quoi? Attends, j'ouvre la voiture. Papa ne doit pas s'éloigner, attention. Hein. Quoi? Tu as quoi pour eux? Deux. Ah, tu as le haut-parleur là. Pardon qu'elle ne l'écrase pas. Non, t'inquiète pas. Ça pèse, hein? Non, non, franchement, ma petite semaine là, hors de chez moi, m'a détendu du mobile. Allez. J'espère que ça va tenir 365 jours. Non, ça m'a fait du bien de couper. Je n'ai rien foutu et dormi. Hein. Et dormir, regarder 2-3 films. J'ai fait 2-3 directs et puis voilà, voilà. Il va allez, Mkamo la famille. Jusqu'à la gare. Oui, 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 ça caille, hein. Jusqu'à la gare. Donne-moi mon téléphone. Ah, voilà. La famille. Vous voyez les fous parler. Non, les laisse pas. En tout cas, un homme normal qui rêve est un fou. Parce qu'il cherche à voir. À vérifier si son rêve est vrai. Donc Pomba, tu vois la couleur? Ok. Donc dis-toi que comme tu fais ton lit, tu vas devoir te coucher. Nasso idée. Tu te fous de notre gueule un peu plus tous les jours. Non, il n'y a pas de souci mon petit. Si tu te perds deux fois dans la, tu te perds dans une fois, tu te trouves deux fois dans une même dans sous le même arbre, que tu es perdu. Il y a une portière qui n'est pas permis. Voilà, Pomba, ton discours là vraiment. Regardez les portières s'il vous plaît, ta portière. Elle est pas bien. Où c'est ma veste qui est dehors? Non, non, sincèrement, la famille. Les femmes camerounaises doivent se lever. Où ça, c'est la vie? C'est la les femmes camerounaises doivent se lever. Pomba, 40 ans, quoi? Quel 40? 50 ans de politique. On se retrouve avec des présidents de région 100% masculins. Hein? 100%. Aucune femme. Donc, Pomba veut dire là que les femmes, là, nous comptons pour quoi? Attends, mon frère. C'est la sécurité des enfants qui compte d'abord. Ah faut oui, fermer la sécurité. Oui. La tu n'as pas la sécurité du côté de son. Non, j'ai déjà. J'ai vérifié quand il vérifie. Non, non, donc ça va faire partie des dossiers 2021 là. Il va falloir que nos grands-pères, politiciens du 237, nous disent c'est quelle est la place de la femme dans la société camerounaise. Et nous sommes plus nombreux que vous. Hein. Non, les Camerounais, une femme peut gagner les élections au Cameroun. On vous dit d'abord. Hein. Les femmes sont plus. Moi, je pensais que l'équilibre, c'était 49-51, mais apparemment, nous sommes passés à 53%. Hein. Il y a plus de femmes au Cameroun que d'hommes, et même pas une seule femme.
conseiller régional. Qu'est-ce qu'on met déjà pour vous espérer jusqu'à ce que je demande à vous femme. Allez. Un truc qui n'incarne, qui ne demande aucune légitimité populaire, tu veux. Un qui vous parle de l'avenir, le président Kamto. L'autre qui vient vous faire un. Le Congo, ça, le Congo, ça. Mais vous on rêve un président qui fait le Congo ça hein. Un président qui parle de l'avenir et l'autre qui vient faire le Congo ça. Paul Biya. Equinox il va fermer Equinox. Tu fermes ça fait quoi tu ça fermes, Equinox, en 2008, on va fermer la on va fermer ta représentation ici. Tu fermes Equinox, on ferme l'ambassade. À toi de choisir. C'est à toi de voir. Vos ambassades qui sont devenues les base-drums là. Quand on entre là-bas, on trouve que les préservatifs et les strings, les talons des femmes. Vos conneries que vous appelez ambassade. Vous allez fermer, vous allez fermer, vous allez fermer. Un président prend un discours, il fait de ça son plan politique, son bus. Donc c'était le programme politique de Paul Biya qui le citait. Il programme les gens en 2030, un totem comme ça. Quelqu'un a dit que l'incarnation de Hitler. Maintenant c'est en 2030. Non, non, il dit qu'il va budgétiser, qu'il a budgétisé. Il va faire comment pour que ça passe de 2035 à 2030? Mais mon frère, on a sur le père là, mon frère. Comment même pas encore les routes, l'enfant ne marche pas encore, tu rêves quand la femme va conduire une voiture, mon frère. Dawana Otinon, Dawana Biwish. Non, non, attends, déjà 2035 c'est impossible, mais alors 2030. Mais il fume quoi oh? Et il sait qu'il serait pas là. Hein? Quand vous voyez le vampire là, il sait qu'il serait pas là. Il sera là pour faire quoi? On a pu prendre jusqu'à ce qu'il vienne décrypter. Tu vois que quand on a bu le vin de 1 milliard l'année passée là, ça a, le torrent de ça a raclé ses dents dans la bouche. Tu crois qu'il il sera là pour faire quoi encore? Vous avez empêché cette année de boire pour 1 milliard. Là. Ils ont caché, ils ont bu, ils ont caché. Quand tu le vois même faire son truc, tu vois pas que ses yeux se fermaient seuls sur la caméra. Bon, allez, la famille, cette fois-ci, c'est la bonne. On se capte demain pour une matinale. Allez. Merci à mes frères. Bonne soirée à vous. Et merci à ma maman. Elle, c'est ma maman. Hein. Sûr, c'est ma maman. Qui m'a gavé complètement comme une noix. Allez, on se tamponne demain. Tu dois. Belle fin de premier jour de l'an. Hein? Tu dois. Et puis demain, hein, on reprend le, hein, pour ceux qui se sont arrêtés, parce que moi, je n'ai pas fêté. Hein. Je ne fais pas la fête, mais ça m'a fait plaisir de partager le premier repas de l'année en famille. Ça fait un bien fou, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, voilà. Allez, je vous poste la petite vidéo tout à l'heure du poisson braisé. En tout cas, bisous. C'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus de la poule. Jusqu'à la gare, tous ensemble. Et comme je vous ai tous dit, ensemble. C'est quand la saison sèche finit que l'arbre connaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. Tout à fait. Donc, c'est quand le combat va finir que le Cameroun va connaître les Camerounais qui lui sont restés fidèles. En vrai. La seule idée. La seule idée. Plus le temps passe, plus même les gens qu'on croyait parfaits. Ah oui. Mais j'ai un collègue. Donc, ça veut dire que Pomba est devenu mon frère en dents cassées. Nous sommes devenus frères en dents cassées. Ah mon fidèle, on va s'en faire. C'est le vin de 1 milliard qui a arraché ses dents dans la Il est devenu édenté. Dents cassées de tout dit. Ouais, dents arrachées. Eh, pardon, hein, faut pas mélanger. Lui, c'est dents arrachées de tout dit. Oui, voilà, moi, c'est dents cassées. Lui, c'est dents arrachées. Eh, pardon, mon frère, Nyate, moi, c'est dents cassées. Hein. Arrache-clou. Lui, c'est dents perdues. Bon, pour ceux qui disent souvent que non, j'ai une demi-dent. Mais non, trois quarts de dent. C'est quand même resté. Hein? C'est quand même resté. Ben, en plus, ce sont les dentistes qui élargissent ça comme ça. Hein? Pour Pombia, hein? C'est parti. Vous êtes parti. Il a perdu la dent. La souris est partie. J'espère que la souris lui a quand même laissé 1000 francs sous l'oreiller. La souris est partie. J'espère que Pombia dansait. Hein? Parce que quand j'étais sur le toit, on dansait. Ouais, il vous faut. Tu danses, tu fais le cercle dans la maison, tu contournes la maison, tu danses quand tu as perdu tes dents. Bon bah donc tu as commencé à donner tes dents à la sorcellerie pour rester au pouvoir. Bon colo, l'affaire là, hein. C'est quelque chose. Pomba. Bah je peux te donner la mienne, hein. Tu n'as pas encore trouvé un bon dentiste. Comment ça se fait qu'il ait fait une apparition sans dents? Non, c'est parce qu'il n'est pas venu en Beng depuis. Mais il met le dentiste là dans l'avion avec toutes les couronnes et tout. Même les dentistes sont déjà fatigués de voyager tous les jours. Pomba, il n'y a plus l'argent. Le Covid dérange en Europe. On a mobilisé même les dentistes pour soigner le Covid. Lui, toi, tu as ta dame rapide. J'ai des médecins que toi aussi tu as proposé. Donc Pomba n'a plus d'argent pour mettre. Les gens me disent souvent ici que, eh pardon, les sardines là et les cabris gris. Et les tontinards frustrés du triangle des Bermudes.
Vous dites souvent que madame Kassé, vous allez leur dire quoi de Pomba maintenant. Mais c'est la mode. Et le père de la nation là. Ouais. Je vous interdis d'appeler Paul Biya père de la nation. Le père de la nation camerounaise sont les Oumnyobé, et tous ces. Oh, Kolo, Ayi Djolui, maman, le saut, on l'appelle Pomba père de la nation. Bon, je fais prier mon. Je suis en train de faire crier mon fiston, il est fatigué, il faut que je cesse de crier. Allez, Mkamou, la famille. Il veut dormir, là, il veut dormir. Pomba, Pomba vend déjà les dents pour rester au pouvoir. Il a vraiment fait le tour de la sorcellerie. Hein. Ah, mon collègue en dents cassées. Éclé, éclé. Bon, ton gift là, c'est qui? Michel. Allez, à demain.